Guys, salut. A bit of a low and shy salut this morning, but it's about 5 a.m. and I just woke up. I'm on my way to somewhere special this morning. This is the 11th district in Paris, and behind me is Utopie. It's allegedly one of the very best bakeries there is in Paris. So in the croissant series, this would be episode number 3. In episode number 2, I made some croissants. Wow. I'm proud of them, but I just want to have the legitimate, unbiased opinion of a baker. And that's why I'm here. I'm here to learn. I'm here to catch as many details as I can from an artisan baker. Salut Erwan. Alex, ouais, t'es en forme? Je suis prêt pour faire des croissants. C'est bon, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Bon, on va commencer par te transformer en utopiste. Okay, quick interruption. I've been nominated for a Shorty Award. It's basically super unexpected, but it's incredible. The thing is, I need your help to win this stuff, so there's a link to vote in the description. Okay, back to it. Allez, viens avec moi. Tu te rappelles de Seb aussi, que tu connais? Salut Seb. Salut. Ça va? On va commencer déjà par travailler le beurre. Donc la première partie, nous, la pâte, le croissant, comme on le fait, on le fait sur 3 jours. C'est-à-dire qu'on le pétrit une journée, après on le laisse fermenter pendant 24 heures. C'est 3 jours pour faire le croissant? Ouais, c'est 3 jours. Parce qu'il faut déjà une journée pour préparer ton levain, ça tu sais. Mm-hmm. Le lendemain, on pétrit la pâte, et cette pâte-là, on la laisse fermenter 24 heures. Où là, elle aura le temps de développer ses arômes, de se détendre, etc., etc. Donc là, on va commencer. Donc on va prendre, nous on utilise que du beurre du Montaigu. C'est un AOP Poitou-Charentes. Ouais. Ça, c'est vraiment un beurre français de qualité qui est vraiment top pour le tourage. Donc le premier truc, en fait, là, Seb, il va te faire voir, c'est il va donc mettre le beurre à la taille qu'il nous faut par rapport à nos pâtons. Le format du beurre, là, il est pratique, mais est-ce qu'il a un truc spécial, le beurre? Il a un petit peu moins d'humidité que le beurre doux en cube. Ah ouais? C'est-à-dire que si j'achète du beurre dans un supermarché, c'est pas le même que celui-là? Non. Allez, c'est parti. Il faut que le beurre, quand on l'étale, il soit à la même épaisseur que la pâte. D'accord, ça marche. Là, on va pétrir, nous, on va faire 6 pâtons de croissant. Toujours dans les grosses cubes, moi j'aime beaucoup, c'est mettre les liquides au fond. Parce que quand on rajoute la farine par-dessus, qu'elle soit tout de suite hydratée quand on va commencer à mélanger. Le levain liquide, ce qu'on veut plus, c'est qu'il a un petit goût de... on appelle ça lactique. Et si tu mets pas de levain, ça marche quand même? Oui. Ouais. Ouais, ouais. Le levain, c'est vraiment quelque chose d'additionnel. Ah, mais tu utilises de la levure aussi? Ouais. Ah, vous faites levure et levain? Ouais. Ça rajoute des sacrées étapes pour moi. Ah bah oui, c'est un taf. Hein. En ce moment, je dois mettre une journée en tout, max, moins d'une journée pour faire mes croissants. Et là, si je passe au levain, je vais mettre 2 jours, ou peut-être plus. 3 jours. 3 jours. Ça, je fais pareil. Déjà, j'ai pas de beurre du tout. Mais ça, c'est pareil. C'est aussi un choix. Ça, c'est pareil. C'est un choix aussi. Voilà. Alors, on va partir sur 12 minutes de pétri. Ouais. En première vitesse. Et c'est parti. Toi, tu l'as pétri combien de temps, la tienne, là, Alex? Je sais pas, mais je la pétris vraiment à fond de robot. Le robot, il saute sur la table. Alex, tu es un sauvage. Ah, mais j'ai pas un robot comme ça. I need to get one of these. Tu commences à partir vraiment en première pour avoir un beau mélange. Une fois que tu as un beau mélange, tu peux la faire tourner un peu plus rapidement pour la lisser. La pâte est finie. Tu vois, elle est quand même dure, là. Mais le moment en fait de pointage qu'on va lui donner là, comme on t'a fait voir pour tout à l'heure, c'est ça qui va vraiment permettre à ta pâte de relaxer un peu. De se relaxer. Ouais. On la met dedans. On roule. Et ça n'empêche pas de lever le plastique? Là, je l'ai, Ah oui, tu le sers pas. Ah oui, et puis j'ai juste enroulé. J'ai juste enroulé pour qu'elle soit protégée pour éviter qu'elle coupe. D'accord. La pâte
est sorti, on l'a pris, on l'a découpé en plusieurs morceaux, on la laisse pointer en masse, et là on va l'étaler, on va lui donner la taille de la feuille. Ça, c'est un laminoir. C'est un laminoir. C'est assez simple d'utilisation. Ouais. Quand on appuie sur les boutons, ça fait tourner les rouleaux. Un coup dans ce sens-là pour l'amener comme ça. À chaque fois qu'elle passe, elle diminue en épaisseur. C'est ça. Bouton de droite, c'est pour aller à droite. Bouton de gauche, c'est pour aller à gauche. On peut mettre un bouton rouge. Voilà. Ça n'a pas besoin d'appuyer trop fort, ça marche doucement. Ça vient. Allez, il a pété la machine. Ah, faut appuyer doucement sur le dessus. D'accord, ça marche. Okay. Pardon. Elle est douce la pâte, c'est un truc de fou. Hein. The dough est super soft. Super relaxed. Qu'est-ce que tu veux? Et ça maintenant, au frigo? Et après ça, au grand froid. Au grand froid, c'est quoi la différence? C'est le congèle. On l'a fait bloquer pendant une demi-heure, une heure au congèle pour vraiment stopper sa fermentation. Et maintenant, on va tourner les croissants. Donc, c'est-à-dire, on va mettre le beurre à l'intérieur de la pâte, on va fermer et on va commencer à donner. D'accord, et juste une question, mais c'est avant qu'on commence. Pourquoi on appelle ça tourer alors que c'est plié? Parce que c'est... Là, on va regarder la noire. Ouais. On va prendre... En fait, ce truc-là, on l'utilise tout le temps, en fait. Tu l'utilises pour la pâte, tu l'utilises pour le beurre, tu l'utilises pour tourer. Pour le feuilletage, pour la pâte sucrée, toutes les préparations que tu peux autour. Ceux-là, ils sont restés au frigo toute la nuit. C'est ça. Donc la pâte est souple. Ouais. Et là, on va la... Ah ouais, enfin, elle est souple. Elle est fraîche. Elle est fraîche, ouais. Voilà. Alors là, je descends pour étaler ma pâte. Ouais. Une fois que ma pâte est étalée, à peu près à la même épaisseur que le beurre. Ouais. Ok. Je vais venir mettre mon beurre au centre. Ouais. Et là je vais replier. Donc là, on va bien mettre au bord à bord. Là, c'est le secret du courrier. Ouais. On va prendre et on va couper la pâte. De chaque côté. Ouais. Comme ça, quand moi je vais étaler, la pâte, elle va venir comme ça et on aura du beurre bien tout le long. Donc là, je lui donne un quart de tour directement. Et voilà, ça, on va le mettre au frais. The chances I'm gonna make this within my first try are about zero. Je suis prêt. Toi, tu l'as mis au milieu. On va la ramener un peu. Ah, merde. Le feu, c'est l'inverse là. Et là, tu récupères la pâte. Et là, tu l'arrêtes. On va mieux. Et voilà, parfait. Stress! One of the things I realized when we were like shaping those triangles into croissants is that you don't need to be more delicate. In fact, you need to be firmer at first, and then you need to be more delicate. So it's a mix of toughness and finesse. Erwan and Seb,
those guys are just machines. That was just slow AF, just stuck in between those two. I think I managed to make 3 croissants in the same amount of time they managed to make 2 trays each. These croissants are ready to go in the oven. The last ride. I feel like I'm making pizza. Yes! Oh là là! Tiens. Merci. C'est ouf, hein. C'est cinglé quand t'as le truc dans les mains. Ouais. Pas qu'il y a tout ce tas derrière, tous les mecs qui sont en bas en train de cravacher. C'est bon, hein. Et tu vois, là, t'as un résultat qui commence à être intéressant, quoi. Le petit croustillant qui va bien. L'intérieur, il n'a rien à voir avec le croissant que j'ai fait chez moi. La beauté du truc. Everything inside is just distinct. Like you can see each and every layer inside. Oh là là. We've got this buttery sweet. It's less yeasty than my croissant, I would say. Putain, mortel. Mon objectif, c'est que tu repasses ça chez toi, puis tu nous amènes le résultat. Ouais, je vais faire du mieux que je peux. Merci à toi. Merci, c'est gentil. Ouais, ça a déchiré. Ah ouais, c'est mortel. Je prends du coup avec moi. C'est cadeau, c'est souvenir. I'm stunned, I'm exhausted, but I'm happy. Within this croissant experience, I guess I've been given 2 things. The first one was a lesson of humility. Those guys are so skilled, it's mad. They are so committed to their job. And the second stuff I was given today is a big amount of challenges. Because I'm so far away from what a true, perfect, you know, utopian. That's very appropriate in this case, croissant would be. If you enjoyed this video, subscribe to the channel and the series, because in the next episode, I'm gonna be addressing each and every of my problems, my croissant problems. My problems would be probably a bit too much. Okay? Bye bye. Salut.